It's over. The police are on their way. Elena, how can you be on his side when he murdered your sister and your father? Shut up! It's true, we have the evidence that the lipsticks were poisoned by his henchmen. Elena, you almost died from it. Enough! I knew you won't let him escape. Nice job, partner. I'll let you buy me a drink if you tell me all about it. Oh, Duke. Hey, listen, I got it. Why don't you want freedom? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Casu. Pour le début du bonus de Family Mysteries, Promesse Empoisonnée, édition collector. J'espère que vous allez bien. Moi, après 10 épisodes, je pensais que le jeu n'avait plus grand-chose à nous offrir. Bah, en fait, on a quand même le bonus. Et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont fait remarquer qu'il me restait juste un truc à collectionner et je l'ai loupé de peu, hein, vraiment de très très peu. Donc, je vais pas refaire le jeu juste pour un cadeau, c'est pas grave. On s'en veut un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, on lance tout de suite la grande tempête en mode difficile. Avant-poste du garde-côte, 21h13, la nuit de la grande tempête. Hello? Please help us. We're near Shark Bay. The engine stopped working. Miss, are you there? Nothing. Ok, sauvez les survivants. Oh, trop bien. Ooh. Is someone in trouble? There are people on a yacht near Shark Bay and their engine broke down. Locate them with a telescope and I'll then calculate the coordinates. Ok. Bon, normalement, on n'a rien à collectionner, hein. C'est juste du pifomètre le plus total. Le radar ne peut pas m'aider pour l'instant. Là, on a le télescope. Il me manque une manivelle. Ah, un morceau de code. Un autre morceau de code. Et j'ai pas le dernier morceau de code. Qu'est du garde-côte. Ouais, il faut qu'on se grouille. Il faut qu'on se grouille. Eh, mais dis donc, c'est super mignon tout ça. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut pour faire le code. Évitons de déranger le timonier. Vraiment, combien de fois lui ai-je demandé de remettre le levier après l'avoir utilisé? Ah là là, sacré nom de Dieu. Débarrer le bateau. Eh bah ouais, d'accord. Une scène d'objets cachés, évidemment. 3. Ok, ensuite. Calculatrice. Fléchette. Un hameçon. Une méduse, une pomme. Un cœur. Méduse. Il est trop pointu que pour mes doigts puissent faire quoi que ce soit. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un CD. D'accord. Il y a un objet métamorphe à chaque fois. D'accord, très bien. Un objet métamorphe. Pas de souci. Une pomme.
Une poignée manquante. Ah, attendez. Ok, tournevis. Une pomme. Et c'est là où on va avoir besoin de ça. Le shuriken. Levier de hors-bord. Oui, le levier de hors-bord. Ben. Ah, le voilà. D'accord, ok, il est là-dedans à tous les coups. Et voilà. Levier de hors-bord. On va pouvoir positionner ça ici. Et non, il veut toujours pas démarrer. Bah oui, évidemment. Ce serait beaucoup trop facile. Pièce d'instruction du tiroir. Ah, attendez, il me manque un truc. Il me manque un truc. Quoi que vous fassiez, n'essayez jamais de sauver un homme ou une femme en train de se noyer alors qu'il est ou elle essaie de... D'accord. Instruction des tiroirs. Tac, tac, tac. C'est bon, on a tout fait. Bon, après, il y a ça. Mais ouais, mais il me manque toujours... Il me manque toujours un bout du panneau. Alors... Et si je fais ça... Ouais, il n'y a pas d'essence. Ah, d'accord, le bouton, il était là. Non, il était devant, sous mon nez depuis le début. Et je ne l'avais absolument pas vu. Tac. Alors, 2-6. Ok. P. Et... Ok. Et une lentille. La lampe de poche. Évidemment, sans pile, ça va être quand même très compliqué. Alors, trouvez tous les objets indiqués dans le bon ordre. Appuyez et faites glisser l'image pour permettre au télescope de se déplacer vers la gauche ou vers la droite. D'accord, et ensuite, comment on fait pour aller à droite ? Ah, mais comment je fais pour aller sur la droite, par exemple ? D'accord, ok. Donc la maison sur l'île,
Elle est là-bas. Ensuite, ça, c'est là. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, le bateau. Here, the coordinates are done. Ok, 204. We can't leave the command center empty, so I'll be right here by the radio if you need me. Merci. Eh ben écoute, t'es gentil. Carte, qu'est-ce que je dois faire d'autre maintenant? Ouais, apparemment j'ai des trucs à faire ici. Tac. J'ai dû louper un truc, hein, parce que je me retrouve quand même bloqué. Alors. 204. Ok, ça c'est bon. Mais ça n'empêche, je n'ai toujours pas d'essence. Clé de l'armoire médicale. Comment je fais ? Clé de l'armoire médicale. Apparemment, j'ai encore des trucs à faire là-bas. Hey, je dois faire le plein du hors-bord, mais... Où est l'armoire médicale? Qu'est-ce que je fais? Au secours! Au secours, je suis perdu! Indice. D'accord. Ah ouais! C'était juste ça! Il fallait juste un code tout pourri! Bon bah, tant pis. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Maintenant, je peux détacher le bateau du quai. Eh ben, nickel. Je peux toujours pas le démarrer. Attends. Tac. Allez, c'est parti. Démarrer le bateau. Comment voulez-vous voyager sur le yacht ? Conduite à la première personne ou promenade avec vue d'oiseau. Allez, on va faire une conduite à la première personne. Ah, c'est sympa, il te propose le mini-jeu que t'as envie de faire. Wow. Je me prends des bateaux. Localiser le bateau. Ok, on y arrive. Wow! Tout est en flammes. Ça brûle. Je dois éteindre cet incendie avant que les deux vaisseaux n'explosent. Éteignez le feu. I have to extinguish the fire!
Oui, j'ai compris, monsieur, hein. J'ai compris. Ça monte, ça descend. Oh, j'ai oublié, mais je l'ai écrit quelque part. Ouais, ici. Alors. Donc, O, bas, bas, O. O, bas, bas, O. 50, 35, 90. Allez, de l'eau! Oh, génial! Une énigme. Encore des énigmes. Encore des énigmes. No one was injured. Pas sûr qu'il y ait encore des gens vivants là-dedans, hein. Pas sûr qu'il y ait encore des gens vivants. Oui, le feu est éteint. Maintenant, rapprochez le yacht pour que je puisse monter à bord. Bah écoute, et de 1, et de 2, là, là, est-ce que je peux ouvrir? Ok. Ah oh non, je suis maudite. Je n'ai pas le choix, je dois l'ouvrir. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que c'est ? Poignée. Inutile, c'est cassé. Je vais devoir le couper. Bah oui, mais attends, d'abord, il faut que je récupère deux trucs. C'est quoi ce petit embout ? Ah, de l'huile ! Ok. Ce n'est pas ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, alors, attendez, ça. De l'huile. Ok, on va huiler ça. On peut ouvrir de la colle. Je commence à saisir la logique un petit peu du truc. Tac, tac, tac. Et hop. Ensuite, on va utiliser la poignée ici. Couteau. Est-ce qu'on peut décrocher ça? Oui, nickel. On va pouvoir placer ça ici. Une clé. On va utiliser l'aimant pour attraper la clé bleue qui va se placer, j'imagine, ici. On va pouvoir la mettre ici. Et là, on va placer la clé. Tac. Et le dernier médaillon de nœud. On va pouvoir ouvrir, récupérer une corde. Yes! Avec la corde, donc, j'imagine qu'on va pouvoir monter sur le bateau. C'est une corde tendue, après tout, je peux le faire. Oui, le crochet. Tac. Allons-y. Please open the door. This side is stuck. Here's the code.
Ok. Oh, the smoke. Tournez le volant vers la gauche et vers la droite à l'aide des boutons de déplacement 2 et 3 pour sélectionner les symboles indiqués. Lorsque tous les symboles sont sélectionnés dans l'ordre indiqué, cela devrait déverrouiller la porte. Ok. Alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est... D'accord, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Ensuite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est toujours le même souci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. Ensuite. 1, 2, 3. Bubidou. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et enfin. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ben voilà! Voilà une affaire rondement menée. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode bonus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour la suite de ce bonus. Des gros bisous, est-ce qu'on va réussir à sauver la demoiselle? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle influence va avoir ce garde-côte sur le reste de l'histoire? Eh bien vous le saurez dans le prochain épisode. Des gros bisous, à ciao, bye!